Nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts. Mais où sont-ils? Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos regrets nous ont servi de leçon. Des conseils on en a avalé. Chacun se déclare bon, disons même avec des coups bas signalés. Ne sommes-nous tous pas fous au fond? De ma plume, mon amertume se déverse sur une feuille innocente. Mais dire, dérange une classe constante d'être menaçant. Flèche mortière, en direction des âmes sanguinaires. Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? Nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts. Nos pleurs ont-ils servi à quelque chose? Nos pleurs ont-ils défendu nos causes? Nos océans de larmes ont-ils noyé nos apparences honteuses? Nos plaintes pourront-elles être traitées à la cour des confessions coûteuses? Moi je dis non, non et non. Alors levons les yeux vers le ciel et respirons l'air sauvage de notre méchanceté, la pollution morale de notre environnement réel, l'égoïsme de notre pureté. Car nous l'avons certes mérité, nous l'avons dirigé, nous l'avons semé. Nous avons semé une haine nocturne dans nos cœurs tout en applaudissant la danse de nos rancœurs. On est fiers d'espionner la richesse du voisin. On est même récompensé à la trahison du cousin. J'ai même vu un fils poignarder sa mère. D'autres diront que c'est des rumeurs, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'autre père a couché avec sa fille parce qu'il reste sans morale et ne contrôle sa béquille. Mais où allons-nous? Combien de fois allons-nous pleurer nos morts? Combien de fois allons-nous chanter nos remords? D'autres ont assassiné leurs frères au nom de l'héritage. C'est des histoires qui se perpétuent au fil des âges. Mais ma génération, elle, va jusqu'à ôter la vie au nom de la religion. Mais quelle religion? Si des hommes ont vendu la patrie à des extrémistes afin de désaltérer leur soif politique, ils ont même constitué une armée mixte juste pour fuir nos critiques. Ils se cachent derrière des masques sans couleur pour véhiculer leur venin amer. Sans honte, ils présentent des condoléances mesquines. Ces scrupules enterrent nos rêves coquins, nous installent sur une dune, ferment les écoles, poussent nos sœurs à la prostitution chronique pour détruire nos héros ambitions politiques. Ainsi, ils resteront tranquilles sur leur fauteuil merdique. Nos morts ne sont pas morts. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons besoin d'un héros. Alors, de ma plume, je lance l'appel à candidature. Mon vœu le plus sûr, que nous sachions que nous sommes tous coupables. Coupables de tous nos maux. À l'acceptant, le changement arrivera. Car le changement, c'est nous. Le changement, c'est nous. Nos morts ne sont pas morts.